François Télévision, bonsoir. Salut, putain, 10 ans. Vendredi prochain, les Guignols vont fêter leur 10e anniversaire sur Canal+, au cours d'une soirée spéciale. Et à cette occasion, TV+, va vous faire pénétrer ce soir dans les coulisses de cet événement. Tout d'abord, vous découvrirez comment les Guignols ont réalisé pour l'occasion leur premier film. Pendant plus de 6 mois, nous avons suivi les différentes étapes du tournage de cette fiction de 55 minutes. Puis nous vous montrerons comment se prépare chaque jour le JT des Guignols, de l'écriture des textes à la préparation des marionnettes, en passant par les répétitions, avec un objectif, être prêt tous les soirs à 19h55. Le TV+, de ce soir est donc presque entièrement consacré aux Guignols, mais nous prendrons le temps tout de même d'aller dans les coulisses de la soirée des Enfoirés, diffusée tout à l'heure sur France 2, et de commencer par le zapping. À la fin de notre émission du samedi 30 janvier, nous vous avions signalé, pour nous en excuser, que certaines arrestations contenues dans Reportage du 5 décembre 1998 étaient reconstituées sans être signalées comme telles. Il s'avère aujourd'hui qu'une scène du même type, diffusée le 27 juin 1998 et également reconstituée, n'avait pas non plus été signalée. TF1 a décidé de renforcer encore son contrôle sur l'ensemble des sujets produits à l'extérieur de la chaîne. Hey. C'est dans leur jolie petite maison de Luçon près de Nantes qu'Armand et Jeanne Giraud prouvent jour après jour qu'amour et longévité peuvent vraiment faire bon ménage. Mariés depuis 1918, le plus vieux couple d'Europe vit toujours aussi heureux et se souvient encore des moindres détails de sa rencontre. Tu te souviens de la déclaration d'amour que tu m'as faite? Ça, je ne m'en souviens pas. Je ne sais même pas s'il y en a une. Ça ne s'explique pas. Le mot amour, je n'ai jamais su ce que c'était. Mais nous sommes encore là, 81 ans après notre mariage. Et nous ne regretterons rien. Le cercueil quitte alors le domicile royal de Bab el Salam, les portes de la paix en arabe. Juste derrière, Abdallah en tête, les fils du roi Hussein. Sur le perron, la reine Nour et les princesses regardent s'ébranler le cortège. Elles resteront ici. La tradition musulmane interdit la participation des femmes aux funérailles. Nous assistons à l'arrivée de Boris Eltsine, qui se déplace avec peine, mais qui se déplace seul. Vous savez que le président russe est venu à Amman contre l'avis de ses médecins. Une image très, 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 très forte que nous découvrons en direct. Le président Boris Eltsine, à qui tous les médecins interdisent de prendre l'avion, monte là dans sa voiture officielle sans trop de difficultés, peut-on dire. Tandis que le minorité chrétienne. Président américain, suivi des anciens, des passés présidents Gerald Ford, Jimmy Carter et George Bush, s'inclinent devant la dépouille du roi Hussein. Voilà donc l'Amérique, c'est le Mont Rushmore à l'état vivant. Les images sont pas très importantes, écoutez plutôt ce que dit le speaker, l'annonce du speaker, donc au stade de la Beaujoire à Nantes, en première période. Écoutez. Attention, attention. Monsieur Philippe Maillet. Monsieur Philippe Maillet. Alors, et alors, qu'est-ce qu'on fait? La personne après, on voit ferme. Et maintenant, on fait des câlins, on se rapproche. Non, on non, fait non, des mais pour de faux, pour de faux. Mais. Non, mais. Mais c'est con, mais c'est Robert interprète l'Ancien Testament comme s'il s'agissait d'un mythe prédisant l'arrivée d'Elvis. I'm convinced that that is not only a legend and a myth, but it's based on a prophecy that was going to come true, and only a prophecy that was going to come true. He will come and judge the world with his what is known as the feather of truth. And that will be Judgment Day. Et puisqu'on parle de religion, le pape Jean-Paul II a rencontré à Rome l'acteur allemand Horst Tappert. Vous l'avez reconnu, il s'agit de l'inspecteur Derrick, célèbre dans le monde entier. Tel est pris qui croyait prendre. Ce cambrioleur sait qu'il est surveillé. Pour ne pas être reconnu, il se couvre la tête d'un sac plastique et blanc. Il revient, pas bête, avec deux trous dans le sac au niveau des yeux. Peut-être que je suis venu au ballon. Enfin.
comprenez maintenant pourquoi certains prônent la publicité virtuelle. Parce qu'avec cette peinture qui ne tient pas sur des pelouses... Oh, c'est affreux. Comme celle-ci, ça les transforme en schtroumpfs, les joueurs. On s'échauffe encore. Tu vois, mon fils, grâce à toi, ça plante pour moi. Et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours les yeux posés sur toi. Parce que je suis fière de toi et que je t'aime à l'infini. Comme chaque semaine, les dernières nouvelles du PAF avec Delphine Cantelli. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Vous commencez par TF1. La chaîne a enfin trouvé les animateurs de son nouveau 20h30, Happy Family. En fait, elle en cherchait un, elle en a trouvé trois. Pas mal. Il s'agit d'Olivier Mine, de Stéphane Bouillot et de Laurent Mariotte. Très bien. Des nouvelles de France 2 ? C'est Michel Bougenat qui présentera l'émission destinée aux enfants tous les dimanches à 13h30 sur France 2. Très bien. TF1 prépare déjà son réveillon du 31 décembre 1999. Oui, elle envisage de célébrer le 31 décembre 1999 sous la Tour Eiffel en diffusant un karaoké géant. Gérard Rolls, lui. Eh bien, c'est confirmé, c'est lui qui animera les accros de la télé les dimanches en fin d'après-midi sur France 2. Et Jean-Luc Delarue ? Jean-Luc Delarue, toujours sur France 2, mais sa société de production Réservoir Prod prépare actuellement pour France 3 le pilote d'une émission sur le net qui sera animée par Florian Gazan. Et des nouvelles, nous on n'en avait plus, des frères Bogdanov, vous en avez ? Oui, ils reviennent à la télé, ils animeront un magazine scientifique hebdomadaire à partir de cet été sur France 2. Très bien, merci Delphine. Avant merci. De passer une heure dans l'univers des Guignols, faisons un détour par les coulisses de la soirée des Restos du Cœur qui sera diffusée tout à l'heure à 20h55 sur France 2. Avec Gaël Legras. Quand la musique est bonne. L'un des hommes orchestre du concert des Enfoirés diffusé ce soir à 20h55 sur France 2, c'est Jean-Jacques Goldman. Depuis 92, il réunit chaque année plus d'une cinquantaine d'artistes français à la télévision pour les Restaurants du Cœur. Et pour préparer cette émission, un noyau dur s'est retrouvé plusieurs fois quelques semaines auparavant. C'est là, avec Véronique Colucci, que toutes les décisions sont prises. Oh, c'est plutôt marrant, un peu jubilatoire. On propose des trucs, tiens, la bohème, machin, tel, ça s'en va et ça revient. Claude-François, qu'est-ce qu'on pense? Oh non, on l'a fait l'an dernier, bro, puis voilà. C'était plutôt une bande de copains qui préparera une soirée, ça fait un peu ça quoi. C'est de faire chanter des gens qui n'ont jamais chanté ensemble, des chansons qu'on n'a jamais chantées, enfin bref. Donc tout ça c'est un boulot qui dure un mois. Et ensuite chacun reçoit chez lui une cassette de la chanson qu'il devra interpréter. C'est les acteurs, c'est difficile pour eux, ils sont pas habitués à raisonner les textes comme ça. Donc ils ont la trouille, donc faut... en fait ils chantent très bien les deux, ça les rassure. Mais une fois qu'on a bien répété, on peut toujours améliorer sa chorégraphie. Je te suivrai, où tu iras, je te suivrai, je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une âme. Ça vient ? Cette ambiance, Patrick Fiori, l'un des interprètes de Notre-Dame de Paris, la découvre aujourd'hui. Les années précédentes, il suivait la soirée devant sa télévision. Vous le constatez assis dans le public, là je me sens un peu bizarre parce que c'est vrai que c'est un rêve quoi. Pour moi c'est vraiment un rêve d'être ici et je sais que dans quelques minutes je vais être aux côtés de stars comme Goldman, comme Obispo, comme Ruel, et pour moi c'est un grand honneur. Au milieu des stars, pour sa première participation, Patrick Fiori est intronisé sur scène par les piliers des Enfoirés. Et là t'attaques, mais chaque fois en harmonie, pour la laisser... Découvert en 93, Patrick Fiori finit quatrième du concours Eurovision cette année-là. Mais sa présence ce soir sur le plateau des Enfoirés, il le doit bien sûr au succès de Notre-Dame de Paris. Génial. Ça veut peut-être dire que j'ai bien fait de m'accrocher et que j'ai bien fait de... d'y croire. Les Enfoirés, dernière édition avant l'an 2000, c'est donc ce soir à 20h55 sur France 2. Et parallèlement à 20h aujourd'hui et demain, France 3 diffuse les meilleurs moments des concerts des 10 dernières années. Mmh.
C'est donc vendredi prochain sur Canal+, que les guignols souffleront leur 10e bougie lors d'une soirée événementielle. Une soirée composée des meilleurs moments des guignols depuis 10 ans, mais aussi de témoignages, de nombreuses personnalités guignolisées et surtout d'un long métrage. Pour la première fois, l'équipe des guignols a réalisé un film baptisé tout simplement La Fiction. Comment les guignols se sont lancés dans le cinéma, c'est ce que nous raconte maintenant Luc Herman, qui a suivi les différentes étapes du tournage pendant 6 mois. Il va y avoir de la vaisselle qui va voler, faites attention à vos têtes. On est prêts? Oui. Moteur? Ça tourne. Quand tu veux, Bruno. Papier, là. Un pugilat entre toutes les stars de la politique, c'est l'une des scènes clés de La Fiction des guignols. C'était l'automne dernier, pendant les 8 semaines de tournage. Tout a commencé en avril dans le bureau des guignols à Canal+, à l'écart des autres émissions de la chaîne. Ça y est, quoi ? Les trois auteurs, Bruno Gassio, Franck Magnier et Alexandre Charlot, préparent le 10e anniversaire des guignols. Ils ont carte blanche pour écrire la première fiction des marionnettes. Des caméras de surveillance ont été installées pour suivre leur gamberge. Voici le moment où ils ont imaginé l'intrigue. Imagine, je te le fais en gros, hein. Tu dis à un mec qui dit voilà... un jour, je sais pas, on a eu une date à la con, le 23 avril 1999, une date complètement conne. Il s'est passé un truc que personne n'a pu expliquer, personne. Personne n'a pu le comprendre, personne n'a vraiment jamais analysé, ça a juste mis une panique. Les gens avaient disparu, les vrais gens, ceux qui font les choses. Il restait que ceux qui les commentent et ceux qui sont censés les diriger, qui ne dirigent plus rien. L'idée de départ est donc un huis clos où se retrouve toute la classe politique sur le thème « À quoi sert l'élite de la nation si les citoyens, les vrais gens, ont disparu ?» L'écriture du scénario va prendre 4 mois car il faut aussi écrire le journal quotidien des guignols. Il va tous les amener. Fin juin, après de nombreuses versions, le scénario est enfin prêt. Il est envoyé à l'équipe de réalisation, il sera jalousement gardé secret. C'est comme le compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, Le titre provisoire est le 26 minutes, mais le scénario final est si épais qu'il y a assez de texte pour un téléfilm d'une heure. Ouais. Le réalisateur s'appelle Bruno Lejean. Il fait partie des réalisateurs réguliers des sketchs des guignols, à son actif des séquences pour Carl Zéro, ainsi que des clips et des courts-métrages. Il découvre les premières difficultés du scénario, car tourner une fiction avec des marionnettes est loin d'être simple. C'est d'ailleurs une première mondiale. Ça s'annonce pas facile toujours, parce qu'il y a pas mal de scènes assez compliquées, beaucoup de marionnettes en permanence, un gros décor. Et pour l'instant, pas beaucoup de jours de tournage, il va peut-être falloir en rajouter. Mais on va voir. La difficulté, c'est la durée, quoi, surtout. C'est-à-dire, est-ce que les marionnettes vont être crédibles pendant tout ce temps? Il y a une heure, à peu près une heure de fiction. Est-ce qu'on va s'attacher au personnage? Est-ce qu'on va pas lasser? Est-ce que le rythme va pouvoir être tenu? Avant même de tourner la moindre image, on commence par l'enregistrement des voix des personnages. En studio, les imitateurs vont jouer la totalité des dialogues de la fiction. Yves Lecoq, Daniel Herzog et Sandrine Alexis sont les imitateurs attitrés des guignols. À eux trois, ils imitent plus de 30 personnages simultanément. Putain, des caisses, quoi. Oui. Allez, on y va. On est reparti? On est reparti. Ça tourne. Bien césure. Hein. 3, 4. C'est une situation tout à fait inédite, mais nous sommes parfaitement capables de la gérer. Je ne veux pas que la gauche soit tenue pour responsable de ça. Il faut trouver une parade. Mais en douceur, modestement. Lionel a raison. On doit faire porter le chapeau à la droite. Oui, mais modestement. Bruno Gassio, l'un des auteurs, a tenu à superviser l'enregistrement pour camper les personnages. Lui, c'est pas... il prend pas de décision quand il fait ça. C'est juste une trouille qu'il a. Je veux pas. Oui. Je suis responsable de ça, il faut trouver une parade. Mais en douceur, modestement. Plus tard, au cours du tournage, les voix seront ainsi diffusées en playback aux marionnettistes. Dans la fiction, les politiques de droite s'en prennent autant que les politiques de gauche. Alors, pour ce qui est du candidat unique, il n'y a pas de raison que Jospin joue au chef. En effet. Ah oui. Nous allons hériter d'une situation désastreuse, il faut le savoir. Il faut le savoir. Eh bien, on dira que c'est le bilan des socialo-communistes. Oui, les méchants. C'est historique. Nous allons revenir aux affaires. Oui.
Et devant Bruno Gassiot, les imitateurs sont parmi les premiers à découvrir le scénario. Déjà, il y a des choses qui me font rire dans le texte, donc c'est bien parti. Et ce suspense, on y croit alors? J'ai pas lu la dernière page justement pour le garder entier. En fait, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Ça, c'est important. On a envie de savoir ce qui se passe, puisqu'il y a un truc quand même étonnant, ils sont dans une situation bizarre. Donc, forcément, on a envie d'avancer dans l'histoire. Donc, on a envie de savoir ce qui se passe. C'est ça l'intérêt, en fait. Et après, d'ailleurs, quand on sait ce qui se passe, c'est très marrant, en plus. Parce que moi, je le sais, mais je ne le dirai pas. Le train haut m'a entendu. Il est venu. J'ai péché, j'expie. Aïe, j'ai péché, j'expie. Aïe, j'ai péché, j'expie. Aïe. Eux, ils ont envie de garder quand même... Réunion pour élaborer les décors. Le travail est colossal. Bruno Lejean réunit Philippe Désert, le décorateur, et Alain Duverne, le créateur des marionnettes. Dans le scénario, comme il n'y a plus personne, les politiques se retrouvent à huis clos à Matignon. Il faut donc reconstituer les palais de la République, des salles de réunion et des passages secrets. C'est de l'argent. Pour eux, en gros... Matignon, c'est une espèce d'île déserte et il faut qu'on ait l'impression que chaque... Les personnages rentrent dans un couloir, on voit des grands couloirs vides, passent dans une autre pièce, sortent d'une autre pièce, une espèce de pavillon à l'abandon. Mais non, même à Matignon, il n'y a que... Quelques semaines plus tard, le décor occupe deux gigantesques studios loués pour l'occasion dans le nord de Paris. Pas moins de 8 semaines de construction seront nécessaires. Au total, un budget de près de 3 millions de francs. C'est énorme, on ne voit ça qu'au cinéma. Au niveau des coûts, donc, on a eu le temps et les moyens de faire des choses qui sont beaucoup plus extraordinaires que sur toutes les séries depuis le début, je crois. Tout penser guignol, c'est-à-dire tout penser que tout est à la hauteur des marionnettes. Et les décors sont à hauteur minimale de 60-70 cm du sol. Tout doit être plus ou moins en proportion des marionnettes. Donc, une marionnette est 50% plus grosse qu'une personne. Des décors surélevés, ça complique pas mal le montage. Construction du décor d'une des scènes clés de la fiction, le bunker de l'Élysée, sorti de l'imagination des auteurs. Le président Chirac va s'y réfugier. Il sera poursuivi par toute la classe politique. Après deux jours de préparation pour les éclairages, le tournage peut enfin débuter. La fiction est tournée en vidéo 16:9, le nouveau standard de la télévision. Sinon, toute l'équipe travaille comme sur un long métrage, au total 50 personnes. Allez, vas-y, hop, il roule. Une bonne script, elle est dans propre, c'est ça? Voilà, faut rester propre dans tout ça quand même. Et c'est parti pour 8 semaines de tournage en continu. Les dialogues qui ont été enregistrés pendant l'été sont diffusés depuis la régie. Code secret bombe atomique. Alors... Monsieur Chirac, non ! Hein ? Vous êtes sur le point de faire une énorme connerie. Stop ! Surtout, tu ne dis pas ce mot ! Oui, non, mais avouez que franchement, là, ce serait une grosse... Vas-y, dis-le ! Non, 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 mais... Sur ce tournage, les acteurs, ce sont les marionnettistes. Chez les guignols, on les appelle les manipulateurs. Comédiens pour la plupart, ils sont 30 à se relayer sur la fiction, car il faut aussi assurer les directs quotidiens à Canal+. David et Samy sont manipulateurs depuis les débuts des guignols de l'info. Sur la fiction, ils ont la chance de manipuler la star des guignols. Pour un personnage, c'est une identité. On est quand même trois personnes dessus, trois individus. Il y a une personne qui fait la voix et deux personnes qui font la gestuelle. Donc après, il faut rendre une individualité qui est la marionnette. Donc c'est ça qui est difficile, quoi. Faire tous ensemble et être sur, sur la même énergie. Mais en fait, c'est une très vieille marionnette. En fait, c'est une des premières des guignols, quoi. La sculpture a au moins 10 ans. Bon, il y a eu des retirages depuis, quoi, mais... Il n'y a pas de mécanisme. Le seul petit mécanisme qu'il y a, c'est en fait une ficelle qui fait les paupières.
Et ça marche très très bien parce que le personnage a une dynamique de toute façon très intéressante, quoi. Et c'est vrai que c'est une super base pour la manipulation. Alors, madame Audrey, bonjour. Et c'est une Rolls-Royce, on l'appelle la Rolls-Royce parce que toute la dynamique, sa plastique, se prête super bien à la manipulation, quoi. Code secret bombe atomique. Monsieur Chirac, non ! Hein ? Vous êtes sur le point de faire une énorme connerie. Stop ! Surtout, tu ne dis pas ce mot. Ce plan de la bibliothèque a nécessité une journée complète de tournage avec plus de 10 machinistes. Hop, il revient. Accélération, éclat de rire. Oh putain! Le quartier de l'Étoile, un dimanche au petit matin, on prépare le tournage de la première séquence de la fiction. Est-ce qu'il me reste des rues là pour tourner? On est bien là? Ou tu pètes une varice là? Là on commence à péter une varice. Sans déconner. Ah oui, oui. Bah attends, c'est... Non, c'est on va l'avoir mis en boîte depuis... Depuis quoi? Sans déconner. Ah, oui. Mais t'as vu, il faisait pas jour. Mais là il fait jour depuis... Bah, toi, fait oui, mais enfin, ça suffit pour toi là? Depuis un quart d'heure. Ça suffit ça? Oui. À quelle heure commence Jospin à travailler? Moi je sais pas. Ça fait petit matin là. De toute façon, mais il commence pas à 6h Jospin à travailler. Mais il faut pas que ça fasse trop petit matin quand même. Après ça en voir. Moi je. Tu vois, ça faut que ça. À mon avis, Jospin il commence à 9h à travailler. Oui, mais attends, à 9h les rues sont. Ouais. Un dé, plus ça. Dans le scénario, les vrais gens ayant disparu, Paris doit être désert. Seul, au volant de sa voiture, Lionel Jospin, le Premier ministre, doit traverser une ville sans âme qui vive. Et comme une marionnette aurait plutôt du mal à conduire, on a spécialement installé sa voiture sur une remorque. Le siège a également été modifié. Alors, passe à l'aéroport. Voilà. Ah, attends, je fais le mécanisme qui m'échoue. Voilà. Pascal. Ça va, Oscar? Ouais, c'est cool. Ça va, les jambes? Là, bon, on travaille un peu en aveugle. Moi, je vois pas trop. Ici, d'habitude, on peut contrôler la marionnette en direct. Mais là, j'ai le faux siège de voiture qui est devant moi. Donc, moi, je peux contrôler mon personnage à travers le retour qui est ici. Là. Est-ce qu'on peut bloquer la circulation, s'il vous plaît, sur l'Arc de Triomphe? Pas de problème, je bloque maintenant. Ok, donc tout le monde est bloqué, on peut envoyer le plan. On est bon, hein? Lionel a raison. Écoute de ça. Enfin, reste en modeste. Alexandre Charlot est l'un des trois auteurs des Guignols. Il découvre le décor de Matignon. À 29 ans, il est le dernier arrivé dans l'équipe. C'est sa deuxième saison. Dès la deuxième année, faire une fiction qui n'a jamais été faite, c'est un rêve d'auteur, un rêve de fan. Et puis... ouais, de voir tout ça, c'est un peu un rêve de gosse. Quoi. C'est un peu, ça fait un peu, modestement, c'est un peu Hollywood, quoi. Par contre, 53, alors là, c'est la guerre. C'est beaucoup plus cher à moi que ma soeur. C'est pas très... Allez, tout le monde, attention, on vient au champ. Ça tourne toujours, attention. Je connais pas. En toute urgence, les auteurs viennent de modifier le scénario. Nous sommes début octobre. Le vrai ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, est toujours dans le coma. Son personnage a dû être supprimé. Le sujet, c'est un sujet qui n'est pas vraiment lié à, la... enfin, qui est pas lié à l'actualité. Quoi. Par contre, les marionnettes sont liées à l'actualité. S'il y a un remaniement ministériel, on est foutu. Mais donc, on espère juste que s'ils se font opérer, que vraiment, au niveau de l'anesthésie, qu'ils fassent gaffe, qu'ils fassent les deux visites. Quoi. Ou alors qu'ils... Enfin, mais bon, faut... Merde, soyez prudents, les gars. Soyez prudents pour nous. Oh!
on est bon, hein ? La séquence se passe dans le bureau de Lionel Jospin. Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn viennent lui annoncer qu'en dépit de la disparition des vrais gens, l'économie fonctionne, et ça, c'est grâce à la gauche. Étonnamment, sur le tournage, on rigole pas beaucoup. Chaque scène est rejouée au moins 20 fois. J'anticipe un peu plus, alors. Tu lis même pas le papier, t'es là. Ah, super, ok. Oui, mais il faut que je fasse un modeste. Moi, si je suis devant, je sens Pascal derrière moi. Je sens ce qu'il fait, quoi. Je sens son mouvement, ses impulsions. Et lui, c'est pareil. Si je lui propose un truc avec les mains... Puis des fois, comme dans les coupes, je l'engueule aussi. Des fois, ça arrive. C'est méchant. Mais tu as pas fait ce que tu... C'est comme ça que les équipes fonctionnent. Ouf. Reste en modeste. Ah, la gueule. Oh, pardon, Michel. Elle est bonne. Elle est bonne, on change la caméra d'axe pour tourner le contre-champ. Et c'est là que les choses se compliquent et que ça prend une heure. Comme on voit le parquet dans l'image, il doit lui aussi être surélevé à la hauteur du décor des guignols. Chaque plan est un défi technique. Là, c'est juste, Pascal, pour toi, ça te fait juste, là ? C'est raccord, ça ? Là, il est dans le champ. C'est ça ? Ah ouais, là, c'est pas raccord. Remonte ! Oui, oui, oui. 3, 2, 1... 40, 7500 points. Oh, on est bon, hein ? Au total, 5 heures de tournage pour une séquence finale de 20 secondes. On a toujours un peu l'impression que c'est un peu une pyramide à escalader. Et on se dit à chaque fois, on va pas y arriver. On n'a pas le temps ou c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Et avec le temps, avec un peu de patience, on y arrive. C'est de la faute à personne, c'est de la faute à tout le monde, parce que justement, c'est pas des comédiens, parce que c'est des marionnettes. Martine, le chômage. Stable, zéro. Mmh. Dominique. Le CAC 40, 7500 points. Oh, on est bon, hein. Lionel a raison. Oh. Restons modestes. Nouvelle séquence, cette fois sur le toit de l'Élysée. Me respectez. J'arrive, mon général. Non, reste avec moi. Et là, les décorateurs ont réussi à recréer tout un quartier de Paris. Il a fallu 4 jours de travail pour obtenir cette ambiance lumineuse. Je trouve que la lumière, c'est toujours une magie. C'est-à-dire que c'est vraiment la grosse touche finale qui donne des choses réelles et qui nous donne la dimension de la réalité. Quoi. Et même sur un plateau, déjà, des fois, on est trompé grâce à la lumière. Non, reste avec moi. Comme les décors ne pourront pas resservir, ils seront détruits après le tournage. Avec une dépanneuse, les machinistes installent la CX accidentée du président Chirac. Que l'arrondissement n'est pas raccord. Nous sommes dans le 16e arrondissement, dans une petite rue qui ressemble au quartier de l'Élysée. Le truc là-bas, mais il nous est interdit de révéler les circonstances de cet accident. Tiens. C'est rigolo. Hein. Alors ça représente quoi en fait ? Un accident de voiture, le président de la République, il rentre dans une autre voiture. C'est simplement, ça colle pas à l'info, là. Non, pas non, du tout. Non. C'est la question que je me suis posée en arrivant. J'ai essayé de me dire, mais alors, c'est quoi l'actualité du jour ? J'ai raté un truc ou alors il s'est passé vraiment quelque chose. Tiens, Romain. Ça tourne sur les deux caméras ? C'est pas mal. Quand tu veux, Michel. Il est malade, lui. Allez, c'est pas de ma faute, je vois qu'il y a personne. Non, c'est vrai. Ça va pas, non merde, vous avez crié le feu là. Ah ouais, mais non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas un gramme de fumée. Ok, fait. Dernier jour de tournage pour la séquence de fin de la fiction. Un plan très complexe qui nécessite la plus longue grue de cinéma d'Europe. Elle fait 21 mètres. Alors, foutu tous les camions là. Là,
Qu'est-ce que ça donne? C'est un vrai jeu vidéo. Le mec il baisse partout. Hein. C'est chiant. C'est un brevet russe. Ce qui manque, c'est un pistolet pour tirer sur les marionnettes. On a un pistolet pour tirer sur les têtes. Tirer sur les têtes, voilà. Alors, tac, bien à droite. Ah, une boule. Le plan séquence dure une minute, il faudra la journée et de très nombreuses prises pour le mettre en boîte. Il y a plus de 30 personnages, de mémoire de Guignol, on n'a jamais vu autant de marionnettes en même temps. Cyprien, viens ici, t'es là. Descala, Debré ici. Aubry, Monique, ici. Madeleine, c'est Debré, tout bon. Ça fait partie de la politique française. On vit dans une démocratie, c'est merveilleux. Oh là, oui, c'est absolument extra. Non, on n'est pas. Alors, Sarkozy, il y a. Regardez. À la fête. C'est génial. Oh là là, le chien, regardez. C'est ce que vous dites. Et le neneuil. Mais vous regarderez demain après-midi à 1h30. Hein, comme ça, vous. Ah, mais oui, je vous appellerai. Ça tourne, attention. En dehors de la classe politique, le réalisateur a choisi de nombreuses marionnettes d'anonymes. Ce gars a plus de profil. Ah oh bah quoi alors, mais vous êtes attendez, attendez, attendez. Non, voilà ce qui s'est passé. La grue doit passer au-dessus de l'immeuble. À chaque étage, la caméra découvre une scène des Guignols. La production a dû négocier la location de 5 appartements pour installer un décor, de l'éclairage, des accessoires et des marionnettistes. Ça marche! C'est qui cette marionnette pulpeuse? C'est Sophie Marceau. Bonjour. Ah, c'est Sophie Marceau au départ? Oui, c'est Sophie Marceau. Voilà. Et bon, c'est devenu plutôt une anonyme maintenant, parce qu'elle n'est pas très utilisée en Sophie Marceau. Mais c'est une belle marionnette quand même. C'est agréable à manipuler en tout cas. Ouais, attention! Oui, quatrième, Jean-Michel, putain, attention! Oui! Attention, 5! Ouais, voilà! Ah ben voilà. Ah, on voilà. Presque sur le tour Eiffel. Ouais, ouais, bravo. On en est à la 50e prise, c'est la fin des 8 semaines de tournage. Il reste encore plusieurs semaines de montage, de trucage et de mixage. Au total, 8 mois de travail pour cette fiction qui aura coûté plus de 10 millions de francs. Pour Canal+, c'est nettement moins que le Comte de Monte Cristo, mais plus qu'un épisode de Navarro. Quant à la chute de l'intrigue de la fiction, qu'est-il arrivé aux vrais gens? Elle restera un secret jusqu'à la diffusion vendredi prochain à 21h sur Canal+. Voilà pour ce reportage signé Luc Herman et dans un instant suite de ce TV+ spécial Guignol avec un document, comment se fabrique en quelques heures le JT de 19h55. A tout de suite. Suite de ce TV+ spécial, le JT des Guignols dans Nulle part ailleurs, c'est une équipe d'une centaine de personnes en coulisses et près de 3 millions de téléspectateurs devant leur poste à 19h55. Comment se concocte ce journal qui en 10 ans a vu défiler près de 300 personnages? C'est ce qu'ont pu suivre les équipes de TV+, lundi dernier. Une journée dans la vie des Guignols, Valérie Astruc, Stéphane Blakowski et Gaël Legras. Si vous voulez voir comment on trouve les Guignols, c'est vachement ça. On est caché dans un trou. Quand Bruno Gassiot, un des auteurs des Guignols, arrive le matin, il commence d'abord par une promenade de santé. Tu veux pas aller bosser, toi? T'es pas assez payé? Va gratter, il est 10h54. Bruno Gassiot a été embauché à Canal+, en 92, pour écrire les sketchs des Guignols. Alors, ces canals, on trouve ça vachement génial, il y a des filles. C'est ce truc, il y a des filles. Donc on est surpayé et c'est truffé de gonzelles. Le bureau des auteurs est situé dans le siège de Canal+, dans une aile du bâtiment difficile d'accès. Une sorte de camp retranché, tout un symbole. Du coup, Bruno Gassiot met pas mal de temps pour arriver. Si personne me dit bonjour, 6-7 minutes, si on commence à me parler, tu vas bien, hier soir j'ai vu les Guignols, c'était très mauvais, c'était pas... Si on commence à discuter, il faut 25 minutes. Donc vous commencez vos journées un peu plus en retard. Mais on n'a pas d'horaire, c'est ça qui est bien, on est notre propre patron, Guignol. À deux pâtés de maison du siège, une annexe de Canal+, qui ne paye pas de mine. Mais à l'intérieur, toute la richesse des Guignols. L'atelier où sont entreposées les 216 marionnettes, leur garde-robe et leurs accessoires.
Ici, chaque jour, les maquilleuses et les costumières puisent dans le stock pour préparer les marinettes du soir. Mais à l'heure qu'il est, on ne sait pas encore quel guignol sortir. Je prépare PPD, comme j'ai pas de JT pour l'instant. Donc il y a lui qui est sûr de passer, donc je prépare en attendant le reste en fait. Donc là je l'ai nettoyé un petit peu parce qu'il était un peu sale au dîner. Et puis je le sèche. Voilà. Bon là c'est bon je pense. Je vais le calquer. C'est pas qui comme un être humain, un guignol ou c'est un maquillage un peu différent? Plus brutalement. Mais oui, non, ça se maquille différemment. Enfin, j'ai des produits bon, comme les poudres qui sont effectivement adaptables sur les humains. Mais ce qu'on utilise souvent comme matériau, c'est de la colle néoprène, du latex, de l'acétone. Donc c'est des produits franchement qu'on ne peut pas utiliser, appliquer aux humains parce que trop nocifs. Pendant ce temps, dans le bureau des auteurs, c'est la télé qu'on regarde, principale source d'inspiration avec la presse écrite. Il n'y a aucune raison de ne pas aimer son métier dans ce cas-là. Aux côtés de Bruno Gassiot, Alexandre Charlot et Franck Magnier, auteurs des Guignols depuis bientôt 3 ans. Ensemble, ils recherchent la première séquence du JT du soir, c'est-à-dire l'image du jour, et c'est l'enterrement du roi Hussein de Jordanie qui sera choisi. Bon, t'as raison, il faut faire l'enterrement en image du jour avec... Boris. Le texte n'est pas encore écrit, mais tout de suite, les auteurs préviennent l'atelier pour préparer les premières marionnettes. Probablement... Clinton, Chirac et Helsin derrière. Pour le décor, ce sera le cercueil du roi Hussein. Voilà. Tu vois cette image-là, cette image-là, dans une lucarne guignole, ça, on va essayer de reprendre ça, on va faire un accessoire. Comme ça. Et ça, dans le cadre des guignols, ça colle parfaitement parce que derrière, toi, tu caches le bas et tu peux mettre des marionnettes qui passent. Donc, toi, la télé est un peu sale. Donc, on va essayer de faire ça, voilà. Puis, quant à la blague, on est en train de la peaufiner, de la chercher, de... La ciseler. Voilà. C'était vous, ça vous de sortir. Et le mec, il est atteint, il me laisse sortir maintenant. Et pour trouver l'inspiration, les auteurs préfèrent rester entre eux. L'idée d'image du jour vient d'être transmise par fax à l'atelier. L'accessoiriste et la documentaliste des guignols cherchent à reproduire exactement le décor que réclament les auteurs. Le problème, c'est que celui-ci, on visualise bien, c'est le drapeau jordanien. Mais celui-là, j'ai un doute, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Donc je vais essayer de me renseigner, parce que s'il y a une commande de drapeau à faire, il faudra qu'on sache exactement ce dont on a besoin. Et c'est important que ce soit exactement le même drapeau, on ne peut pas tricher. Non, à chaque fois, on s'efforce d'avoir vraiment le raccord parfait, absolu avec la réalité. Parce que si on veut ensuite délirer et apporter des choses... drôle et qui appartiennent qu'au guignol, il faut qu'au moins sur la base, on parte vraiment de la réalité. Pendant que la documentaliste tente d'identifier le deuxième drapeau, Jérémy Coinon, l'accessoiriste, est parti lui en expédition dans la cave à la recherche d'un cercueil. C'est un truc qui avait été fait avant. Là, il y en a un autre qui est plus petit, mais trop petit. Les auteurs ont passé commande à 13h. Tout doit être prêt à 16h30. Et Jérémy a trouvé un vieux cercueil utilisé pour un sketch sur la mort d'Yves Montand. Là, vous voyez, là, ça c'est. On part de quelque chose de simple et puis d'un seul coup, un autre fax avec Maigret, Le Pen, Bérou, Pasqua, De Villiers, Seguin, Chevènement, Cohn-Bendit, Laguiller, U. Et donc là, ça devient un petit peu plus corsé. Donc, alors là, on regarde l'heure et on voit qu'il est 2h30 et qu'il va falloir y aller. Les auteurs viennent d'avoir une idée, faire un sketch sur les candidats de plus en plus nombreux aux élections européennes. Les costumières doivent donc habiller 11 marionnettes, toujours pour 16h30. C'est bon, c'est bon. Allô ? Va très vite, hein, on est des pros, là, on habille beaucoup. Manchette. C'est que des hommes d'État avec costume-cravate aujourd'hui, presque, non ? Oui, bah oui, oui, oui. Bah, Il y a Arlette, c'est ça. Arlette Laguiller, elle est là. Donc elle, voilà, son petit standard aussi, c'est différent. C'est quoi le standard d'Arlette? C'est celui-ci. Voilà, c'est la seule femme que vous avez là, avec le petit foulard. Jérémy, pendant ce temps, a trouvé une solution pour fabriquer son drapeau jordanien. Un calicot de France 2 et peinture feront l'affaire. C'est super drôle.
La porte du bureau des auteurs s'est entrouverte. À l'intérieur, Alain de Greff, le directeur des programmes de Canal+, est venu leur rendre visite. Et forcément, il s'intéresse au sketch en ébauche. Ouais, ça va être... Je sens que ça va être Guillaume Durand. Ou... Oh non, il y a un bruit. Jamais de la vie. Regarde, dans un magazine populaire, il y a un bruit incroyable, je te jure. Attends, où c'est quelle page? Il parle de Nagui. Un article de Voici affirme que Guillaume Durand sera bientôt remplacé par Nagui à Nulle part ailleurs. Ah ouais, c'est mort. Non mais Nagui va lui piquer sa place. Alain de Greff a vu juste, les auteurs préparent bien un sketch sur ce thème. Bon, allez. Il nous faudrait Guillaume. Monsieur Durand à la fin. En Luc Deuf, on va mettre des Durand et de Greff. Et Durand, faudrait qu'il ait un col roulé. Pour pas qu'on voit un collier. Il faudrait qu'il ait un collier, tu sais, comme les colliers d'esclaves. Tu sais, un peu en ferraille avec un anneau derrière et une chaîne. Mais il faut pas qu'on le voit au départ. Il faut qu'il traverse ta lucarne, s'arrête un moment, et t'as de greffe qui ne... disant, il reste encore 4 mois d'émission, si tu pouvais au moins les faire, quoi. Le sketch, en fait, n'a pas grand-chose à voir avec l'article de Voici. Oui. Les auteurs veulent surtout se moquer d'un Guillaume Durand qu'ils imaginent pressé d'aller remplacer Michel Field sur TF1. Des fois, on est d'une totale mauvaise foi sur Durand, c'est d'une totale mauvaise foi. On va dire qu'il rêve de cette place de Field, on n'en sait rien. Mais c'est juste possible. On sait que c'est possible. Donc, on y va, quoi. Et puis, ça nous amuse, ça nous... Et sur Fabius et Hervé, Dufoy, tout ça, c'est dur. Faut arrêter maintenant, là, je vous jure, faut arrêter. Bruno Gassiot est rappelé d'urgence dans le bureau. Si vous êtes fan de l'émission, je vous jure. Si vous voulez vraiment la regarder. Les deux autres auteurs commencent à s'inquiéter. Ils ont peur de ne pas rendre leur texte à l'heure. Ça, c'est qui? Ça, c'est de Greff. Ah oui. Toujours la même veste? Pratiquement, oui. Oui, oui. Des fois, ça change, mais en général, oui, c'est sa veste. Alors, des fois, on garde... Retour à l'atelier où le sketch Guillaume Durand, Alain de Greff se prépare. Là, comme sa chemise est un peu pas très propre, alors on l'enlève et puis on lui remet quelque chose de propre. C'est important qu'il ait une chemise propre dans les guignols, Alain de Greff ? Tous, c'est important. Chaque jour, les guignols coûtent en moyenne plus de 200 000 francs. L'émission dure peut-être 6 minutes, mais c'est le programme le plus regardé de Canal+. Quelques confettis dans les cheveux. Les mains, c'est n'importe lesquelles ? Eh ben, non, il y a des personnages qui ont des mains fines, comme Clinton, ou des mains musclées comme Le Pen, et puis après, ensuite, il faut qu'on fasse à peu près correspondre les teints. Par exemple, celle-là, ça va pas. Aucun détail n'est laissé au hasard, ce qui fait qu'une marionnette coûte en moyenne 43 000 francs, et tous les ans, il faut la refaire, car le latex ne résiste pas aux manipulations incessantes. Et emballé de vrai ? Ça y est, la serre est dans le sac. 16h30, toutes les marionnettes sont prêtes, direction le siège de Canal+. La répétition débute dans un quart d'heure. Tous les manipulateurs des marionnettes et les imitateurs ont à présent rendez-vous pour les répétitions. À l'étage des auteurs, Yves Leroland, producteur des guignols, se demande s'il ne faut pas faire venir des imitateurs supplémentaires. Eh oui, non mais moi, on appelle 5-6 mecs, hein. Et à chaque fois, c'est le premier qui appelle. Mais Yves Leroland est un des pivots des guignols, une sorte de coordinateur général. Ça part d'une écriture et il faut qu'à la fois chacun s'en empare pour faire en sorte que les manipulateurs s'impliquent dans ce qu'ils font. Donc c'est vrai que c'est plus drôle quand Chirac est en marionnette que quand il est simplement en voix. Mais c'est plus drôle aussi quand il est en voix que quand il est simplement lu avec la voix de Bruno Gassiot. Bon, donc tout ça, c'est des étapes qui permettent de bonifier le produit. Yves Lecoq, lui aussi, s'apprête à rejoindre Canal+ pour les répétitions. C'est lui qui interprète le plus grand nombre de voix. PPD, Chirac, Johnny, Cantona et beaucoup d'autres, une place cruciale dans l'émission qu'il occupe depuis la création des guignols il y a 10 ans. Je pense qu'on utilise de moi ce que j'ai de mieux, c'est-à-dire les voix que je fais le mieux, mais non, les décisions elles ne relèvent pas de ma compétence, ni dans le choix des voix, ni dans le choix des textes, ni dans le choix des sujets. Ça va ? Attends. Bonjour. Faites pas trop de bruit, j'ai un peu mal à la tête. Yves Lecoq fait la voix de la seule marionnette présente tous les soirs, celle de PPD. Les fois où il n'a pas pu venir, il a fallu remplacer PPD par les marionnettes d'autres présentateurs, comme Claire Chazal ou Christine Ockrent. Ouais, quand on est à l'heure, on est tout seul.
Mais c'est pas grave, ça me sert de deuxième bureau ici. Malgré le harcèlement de la caméra de TV+, les auteurs ont fini par rendre leur copie. Chantal Morel va maintenant se charger de la mise en scène. Bah, c'est le JT, un certain nombre d'exemplaires. Donc on se partage les textes. Christian va distribuer les textes aux marionnettistes. Et moi, je vais faire un peu ma petite tournée. Les imitateurs, la régie, la réalisation, la régie son. Et puis on va commencer la lecture. Il y a combien d'exemplaires en total de tout ça? Là, moi j'en ai 8, toi t'en as combien? J'en ai fait 16. J'en ai un par manipulateur. Voilà. Le premier devoir d'une voix, c'est de se chauffer. Donc on commence par aller chercher un café. C'est le premier travail qu'on fait en arrivant. Voilà. Daniel Herzog est la deuxième voix des Guignols aux côtés d'Yves Lecoq. Il a créé les voix de Jospin, Juppé, Candeloro ou Guirou. Mystérieuse. Et ben voilà, tout le monde est là. Écoutez, soyez le bienvenu parmi nous. Monsieur Yves Lecoq lui-même, monsieur Nicolas Canteloup lui-même. Voilà. Aujourd'hui, Nicolas Canteloup a été appelé en renfort pour faire la voix de Stéphane Bern. Ah, c'est aussi lui qui fait la voix de Richard Virenc. Pas de texte. Bon. Ah, Chantal Morel. On va pouvoir au moins se dire bonjour, hein. Ce sera déjà ça quand même. Hein. Les imitateurs découvrent le texte du jour. Lors de la première lecture, ils repèrent les personnages qu'ils auront à interpréter. Là, je marque mes personnages en couleur. Pas me tromper de voix. Moi, je n'ai pas grand-chose, et parce qu'il n'y a pas... Il y a Yeltsin qui dit je prends le même, et puis voilà. Donc c'est pas... Je vais pas être crevé ce soir. Autogreffe, Agrin, Bleu, Durand, Arrose. Arrose Durand. Voilà. Chantal Morel va ensuite voir les manipulateurs des marionnettes pour préciser la gestuelle que les auteurs ont définie pour accompagner leur texte. Voilà, c'est ça, je veux dire. C'est pour ça, toi, qui a un petit rapport. Mais bon, ils sont là en train de... Ils sont là pour représenter une liste européenne. La position, on va essayer de garder ça. Le Pen, Maigret. Avant d'entamer la répétition du JT, il va falloir enregistrer une séquence sur les élections européennes. On la minutera et puis pour les autres, on saura à peu près combien de temps ça dure. C'est la seule qui ne sera pas jouée en direct car il n'y a pas assez de manipulateurs pour animer les 11 marionnettes qui participent. Bon alors celui-là, terminé. Hein. Le directeur des programmes, Alain Degreff, est aussi le créateur des Guignols. Tous les soirs, il lit attentivement ce qu'ils ont écrit avant la diffusion. Ça arrive certains jours que vous disiez ça passe pas, ou ça, ouais. On réécrit. Ouais, tout à fait. Ça m'est arrivé relativement rarement ces dernières années, mais enfin, ça peut m'arriver essentiellement d'ailleurs à propos d'informations fausses qui pourraient circuler sur Canal+. Et s'ils écrivent un sketch sur Vivendi, c'est la même chose? Ah, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, moi, je dispose pas, et personne ne dispose ici des informations sur la vie de l'entreprise Vivendi. Donc ça n'a pas de rapport. En revanche, le président de Canal+, dont l'actionnaire principal est Vivendi, a demandé à être informé quand le président de Vivendi est mis en scène, ce qui me paraît logique. PPD, on y va. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Les obsèques du roi Hussein de Jordanie, les chefs d'État du monde entier se sont inclinés aujourd'hui devant sa dépouille. Quant à Boris Yeltsin, lui, il est venu pour se recueillir, bien sûr, mais aussi pour faire ses courses. Je prends le même. Fin de la première répétition. Il y en aura encore deux autres pour synchroniser parfaitement les voix et les marionnettes. Jérémy vérifie l'installation de son drapeau, tandis que Chantal, elle, apporte les premières corrections au jeu des manipulateurs. Oui. Bonaldi, il y avait au moins 2 ou 3 secondes de lucarne vide, donc il faut... Le guignol de Jacques Chirac est l'un des plus anciens. Son visage est très mobile, mais ses yeux, eux, sont fixes, tandis que les marionnettes plus récentes ont un regard animé. C'est bon. On a maintenant la génération, enfin déjà depuis quelques temps, qui a une double commande, donc qui a les paupières, mouvement de paupières, et puis qui a le latéral. Donc là, Guillaume Durand, n'est-ce pas, notre présentateur chéri, qui peut s'endormir éventuellement pendant un JT, qui se réveille, qui a le regard. Est-ce qu'on m'a vu? Non, on m'a pas vu. Je peux me rendormir après. Bon, voilà. Donc voilà.
Voilà, donc effectivement, là, avec notre main gauche, comme je vous dis, on a la main droite dans la tête du personnage, et avec la main gauche et ses câbles, on commande et on actionne en même temps le regard et les paupières. L'image du jour, c'est Jean Bonaldi. L'image du jour, c'est Jean Bonaldi. En plus des répétitions, Chantal Morel réunit ses imitateurs et ses manipulateurs pour harmoniser leur travail et peaufiner leur interprétation. Mais Patrick, enfin ! C'est sa vitrine. Mais Patrick, enfin ! Un traitement violent. Eh bien, ça lui est tombé sur la prostate. Oui, terrible, des douleurs, comme s'il urinait des oursins. Dans la foulée se tient une deuxième réunion uniquement avec les manipulateurs qui corrigent leur travail en regardant une cassette de la répétition. Les auteurs n'assistent ni aux répétitions ni aux réunions, mais leur texte fait autorité. De Jordanie sur TF1 toute la journée. Oui. On essaie d'améliorer la chose, mais rajouter un effet qui n'a pas été voulu par les auteurs, ça non. Nous sommes donc montés voir les auteurs pour savoir pourquoi ils n'assistaient pas aux répétitions. Voilà, bisous dehors. Hein ? Tu vas pouvoir préparer tes questions et puis... Ça serait juste pour savoir pourquoi vous n'assistez pas aux répétitions. Non, c'est bon. Ah oui, pardon. Patrick, enfin, c'est sa vie privée, restons dit. Ah oui, pardon. Les répétitions reprennent. Au total, l'équipe dispose d'environ une heure pour établir l'harmonie entre le texte des auteurs, la voix des imitateurs et le jeu des marionnettes. Oui, c'est ça. Sinon, il y a l'EDF qui doit passer pour les compteurs. Je vous laisse la clé, vous leur ouvrirez. Hein. Bien sûr. Ouais, la suite. Je crois que quand on a des textes moins bons, il faut être meilleur. C'est souvent ce qu'on nous demande, soyez bons les gars, faut nous aider parce qu'on n'a pas été inspirés aujourd'hui. Et puis quand on a des bons textes, on a intérêt à ne pas les casser en n'étant pas bon. Donc dans tous les cas, il faut être bon. Mais l'avantage avec les guignols, c'est que lorsque les auteurs manquent d'inspiration, la seule présence des marionnettes suffit à nous faire rire. Du fou à canal. Je manipule Chirac, je lui ai... par exemple. Qu'est-ce que vous avez inventé comme tic à Chirac? Son petit coup d'épaule là, son petit truc, son petit coup d'épaule sur le... Alors là, je prends la main aussi du personnage. Puis alors, bien sûr, il y a toute l'attitude du corps, parce qu'un regard comme ça, du personnage, c'est pas la même chose que ça. Donc tout est dans la je dirais, la gestuelle, la position du personnage. Et puis alors, bon, évidemment, il a des tics, parce que c'est un personnage qui est... Voilà. Donc ça, c'est vous qui l'a inventé, qui crée au fur et à mesure ou... Oui, c'est ça, ça part de l'observation, je dirais, du réel, c'est-à-dire de Jacques Chirac, président de la République, et de nous, notre travail de comédien, d'observer le personnage, et puis après, de forcer le trait de caractère, comme un caricaturiste va forcer, je dirais, le trait en tant que dessinateur, nous, en tant que marionnettistes, on va forcer le trait de caractère du personnage. Voilà, sans transition télévision, on parle de plus en plus de la succession de Michel Field sur TF1. Ce soir-là, pour la fin du JT, les auteurs ont à nouveau écrit un sketch sur Guillaume Durand. Ils le prennent régulièrement pour cible, sans trop se soucier des conséquences que cela peut avoir pour lui. Apprends tes outils alors. Courage Guillaume, 4 mois c'est vite passé. Allez, à ciao, bonsoir. Non mais aux conséquences, attends, quelles conséquences hein? Je veux dire, faut arrêter un moment quoi, on rigole, c'est pas... Il faut surtout les mesurer, les conséquences. Est-ce que toi tu as mesuré les conséquences? Est-ce que tu es allé voir Guillaume Durand, Giordano, Johnny Hallyday, Chirac, Jospin? Est-ce que tu as fait une enquête? Dans la vie, tout le monde ne dit pas exactement ce qu'il pense. À défaut d'une grande enquête, nous avons interrogé Isabelle Giordano. Les guignols l'ont déjà pris pour cible et plutôt que de répondre aux questions, elle préfère en poser. La question qu'il faut se poser, de toute façon, quand quelqu'un a du pouvoir, c'est est-ce que ce pouvoir, l'utilisation qu'on fait de son pouvoir, ça peut servir à régler des comptes personnels? C'est la seule question, à mon avis, qu'il faut se poser quand on parle des guignols, c'est-à-dire quand on parle de gens qui ont quand même un certain pouvoir. Est-ce qu'il y aura des comptes à régler? Je sais pas, je vous dis, moi je pose que la question. Difficile d'en dire plus pour Isabelle Giordano, car justement les auteurs des guignols ont tendance à régler leurs comptes à l'antenne. Yves Lecoq, l'irremplaçable voix de PPD et Chirac, peut lui se permettre un avis. Quand on sent le règlement de compte, c'est pas bien. Il faut que ce soit, et en plus, il faut que ce soit toujours, faut que t'en aies toujours envie de rire, quoi. Quand on commence à... Le rire s'essouffle, ça veut dire qu'on est allé trop loin dans l'exploitation du filon. Je me stresse parce que j'ai perdu ma cagoule. C'est très pénible, ça, juste avant de partir. Ça, c'est embêtant. En fait, les yeux sur la bonne distance pour chacun. Dans la coulisse, les manipulateurs commencent un peu à s'affoler. Le direct est sur le point de démarrer. Les
Les guignols, comment ça va, PPD? Ça va, je n'ai pas choisi le Star System, mais c'est le Star System qui m'a choisi. Avant de lancer la pub qui précède les guignols, Guillaume Durand pose une question à PPD. Yves Lecoq doit improviser une réponse, c'est la seule partie du dialogue qui n'est pas écrite. À la limite, là, c'est quand même un petit bout de direct aussi. Un petit contact avec le public de 5 secondes. Ça suffit pour s'énerver. Pendant les quelques minutes de l'écran de publicité, les manipulateurs chauffent le public. Ça marche. Ça y est, c'est parti. Après une journée entière de travail impliquant près de 100 personnes, 3 répétitions et 2 réunions, les manipulateurs et les imitateurs se lancent pour 6 minutes de direct sans filet. Évitez quand même, parce qu'il en avait derrière le père Hussein. Oulala, oui, oui. Stéphane, vous dérapez, là. Et pour une jeune comme elle, vous ne m'enlèverez pas de l'idée que ça compte, non? En plus, je crois que... Vous savez que... Enfin bon, vous voyez, je crois savoir que... Elle va se remarier. Mais enfin! C'est sa vie privée! Restons dignes! Oui, pardon. Chantal Morel est dans la régie, elle devient simple spectatrice du JT qu'elle a mis en scène. Bien sûr. La suite. Probablement étudier un dossier d'invité, là. Exceptionnellement, après avoir été mis en cause dans un sketch, Guillaume Durand a tenu à répondre en direct aux auteurs. Quoi, Guillaume? 4 mois, c'est vite passé. Allez, à ciao, bonsoir. Et les guignols ont tort, il y a des gens qui sont candidats à rien, parfois. Nous sommes donc montés dans le bureau des auteurs pour avoir leur réaction. Pour une fois, la porte était ouverte, mais le bureau, lui, était vide. Simplement, sous leur devise vantant leur liberté d'expression, la page découpée dans Voici qui annonce le départ de Guillaume Durand. Et les guignols, vous les retrouvez lundi dans Nulle part ailleurs. Voilà pour ce reportage signé Stéphane Blakowski, Valérie Astruc, Gaël Legras, Mathias Quincé et Jérôme Citoleu. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, tout d'abord à 12h40 pour un an de plus avec Bruno Gassiot que vous venez de voir. Et à 19h pour TV+, qui accueillera Patrice Duhamel, le patron des programmes de France 2. À samedi.